Classique, rien dans ce que vous direz ne pourra lui donner la bonne mesure. Parce qu'il est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la fierté de la création, le bien-aimé, l'élu, le chosen one. Il est celui, on disait, envers lequel nous avons tous une dette. Et nous sommes tous redevables. Car lorsque Allah Azza wa Jal ordonna au Kalam d'écrire La ilaha illallah, it took 70,000 years to write. Il a pris 70 000 années. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, écris Muhammad al-Rasul. Et alors, le Kalam, la plume céleste, comme, est resté perplexe. Et a demandé quel nom peut être mis à ce côté de celui d'homme. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, écris par l'ordre de ton Seigneur. Car si ce n'était pas pour celui-là, mon bien-aimé, je n'aurais rien créé. That's why Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to his companion when he asked him what was
the first thing created, he said, the light of your prophet. C'est la lumière de ton bien-aimé qui a été créée pour toi. And it is said that from his light, every other light was created. From his light, heavens were molded. From his light, every soul, every spirit, every other creation, from heavenly creation, from earthly creation, and in between, in the dimension we can understand, and those we cannot understand, were molded from the light that was given to him. Alors, comment donner la propre mesure? Allah Azza wa Jalla nous l'indique lorsqu'il a dit Inna la malaikatahu yusallu ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges font la louange sur le bien-aimé. Alors faites-lui la louange. He is the master of creation. He is the pride of creation. He is the beacon of light. He is the gaze of Rahman. He is the manifestation of supremacy. Il est la manifestation de l'accomplissement. Il est la manifestation de toute la grandeur que Allah Azza wa Jal a descendue dans son geste de la création. Il l'a parfait sur la couronne des croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa réalité, a illuminé toute la création. De sa réalité, a illuminé tous les prophètes. De sa réalité, a illuminé pas simplement le cœur, pas simplement l'esprit, mais également la manifestation de tous ses compagnons. All his companions were but a manifestation of his greatness. And all creation is but a manifestation of his beauty. Every soul has been enlightened. Comme Allah Azza wa Jal nous rappelle, wa rasulun fikum, il est en vous. Il est manifesté à travers votre être. Car l'âme des humains a été conçue à partir de cette lumière de laquelle Allah Azza wa Jal a dit j'ai pris une poignée de la lumière d'Allah et j'ai dit sois Muhammad. Il est le pilier de la création. Nous disions, nous lui sommes tellement redevables. Car pour son honneur, nous avons été créés. Par sa réalité, nous sommes manifestés et nous survivons. Et par son intercession, nous serons, Inch'Allah, sauvés. Et cet élu magnifique, suprême, sublime, Allah Azza wa Jal l'a créé dans une ascension. Il est dans un mi'raj, et ce mi'raj
Il est plus grand à chaque instant. Il s'élève de plus en plus. Et chaque instant qu'il passe, sa station, sa réalité est grandie. Et il est dans une ascension sans fin. Il est dans une manifestation sans fin, and while ascending permanently, constantly, without an end, at every moment, is going beyond any imagination into Mi'raj, and is carrying with him the entire creation, rising to levels, beyond levels, beyond levels, within oceans, after oceans, from divine generosity and blessing. Si toutes les âmes et toutes les intelligences et toutes les manifestations qui ont été données aux créatures d'être capables étaient rajoutées ensemble pour comprendre sa réalité, ce serait vrai. Alors que dire de ceux qui prétendent qu'il n'était qu'un simple messager, venu délivrer un livre et qu'il est parti mort parmi les morts. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Si l'humain, que nous connaissons, nous, est un océan d'une grandeur incommensurable, qui s'est noyé dans un verre d'eau, comme disait Sidi Ali. L'humain, un univers incommensurable noyé dans le fond d'une tasse de thé. Est-ce que nous sommes? Si cet humain est si grand, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous prenez cet univers créé, et vous le jetez dans le cœur d'un humain, dans sa réalité, il disparaît comme la vague qui disparaît dans le désert. L'humain. Combien d'humains, dans combien de mondes, combien d'anges, dans combien de mondes, combien de djinns, dans combien de mondes, combien d'autres créatures, et leur station, et leur réalité, dans combien de mondes? Si toutes ces capacités étaient rajoutées ensemble pour essayer d'imaginer la réalité du professeur, cela serait vrai. Car il est celui que Allah Azza wa Jal a créé. Il est celui que Allah Azza wa Jal a comblé, a élevé, lorsqu'il a dit « Wa rafa'ana lakazir ». Nous avons élevé la mention de ton nom, Ya Muhammad. C'est Abu Bakr al-Sadiq. On est resté perplexe toute son existence. Ce qui le rendait perplexe avait manifesté à l'intérieur de lui un amour d'une intensité qui consumait sa matière. Alors celui qui a été appelé le véridique Sadiq, l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous comparez son iman à celui de toute la création, his iman is heavier, the iman of Abu Bakr al-Siddiq. Son iman est plus lourd. What Allah gave me, I pour into his heart. As-Sadiq, they found him whirling on by himself at night, whirling and whirling and whirling
and longing, glorifying Allah Azza wa Jal, wondering why he was given such a blessing to have been the companion of that chosen. Alors, c'est une célébration pour chaque créature. C'est un honneur pour chaque créature, car son arrivée est célébrée chaque journée comme un renouveau pour l'humanité. Il est celui dont la louange couvre la terre depuis qu'il est apparu, en dépit de la volonté de tous ceux qui ont essayé de salir son nom, de salir son héritage, de salir sa réputation, de ternir la brillance qui lui a été accordée. Mais comment on peut ternir la brillance du soleil si tous les humains, ensemble, rassemblaient toutes leurs forces et toutes leurs capacités pour essayer d'altérer la brillance du soleil que nous avons? Juste pour traverser la couche de l'atmosphère, ils vont être brûlés juste à proximité de la Terre. Alors, c'est vain pour eux, parce que Allah Azza wa Jal, depuis sa manifestation sur cette terre, a fait une vague continuelle de louanges. Alors que l'appel à la prière est fait, son nom est chanté. Alors que les serviteurs rentrent dans leur prière, ils font sa louange. Et alors que le soleil avance, la prière se déplace, créant une onde perpétuelle qui est en continu, suivie d'une autre onde. Et tel un rivage sans fin qui est en permanence nourri par le flux de la mer, alors Allah Azza wa Jal a nourri la manifestation de son messager par un flux continuel de louanges en son nom. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde son amour, nous accorde son intercession, nous accorde de pouvoir le louanger, nous accorde de pouvoir le suivre. Allah Azza wa Jal, de sa bénédiction, du regard du bien-aimé nous couvre, de la bénédiction du bien-aimé rende abondant le bien-être de notre vie. Qu'Allah Azza wa Jal le couvre de ses louanges, les plus hautes et les plus belles, encore et encore, du nombre des éléments créés, du nombre des particules qui palpitent, du nombre des grains de sable dans le désert, du nombre des feuilles et leurs mouvements, du nombre des gouttes de pluie, du nombre des flocons de neige, du nombre des palpitations des cœurs de toutes les créatures, du nombre de leur souffle, et encore, qu'il soit couvert par la louange d'Allah, qu'il soit honoré, qu'il soit béni, que sa famille soit honorée et bénie, et ses compagnons honorables, et que sa descendance parmi nous soit bénie pour sa présence. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors qu'il quittait l'apparence dans ce monde, je laisse avec vous le livre d'Allah, le Coran et Karim, et ma famille, Shurafa, cette descendance aujourd'hui comme des étincelles de lumière qui jaillissent des sources du paradis, telle une myriade de guidances illumine la terre depuis.
qu'Allah Azzawajal les honore, les protège et nous rende dignes de leur bénédiction, de leur prière, d'être en service à eux. Pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous soit accordé un mois magnifique, un mois bénéfique, un printemps éternel pour nos cœurs, un printemps pour l'humanité, un printemps après cet hiver si rude que nous traversons, l'hiver de la Jahiliya, l'hiver du Akhir Zaman. Par la grâce de, ton messager, bien-aimé Abdal Salat wa Salam, que nous soit accordé de percevoir les feuilles de la renaissance, les feuilles de l'épanouissement, les feuilles de la vie, cette vie qui renaîtra pour les cœurs, où le drapeau du Haqq sera flottant tel un étendard de lumière sur la terre au complet, où le nom d'Allah sera louangé par tous, où le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera louangé par tous. Allah nous accorde de témoigner de cette journée-là et d'en témoigner du début à travers ce printemps magnifique. Il a fait la Tina Bilfat.